tous et bienvenue dans ce flash d'information. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou poursuit mardi à Paris son offensive pour tenter de créer un front commun contre l'Iran lors d'une visite controversée 3 semaines après les affrontements sanglants à Gaza. Le chef du gouvernement israélien a planté le décor dès le premier jour de sa tournée européenne et c'était lundi à Berlin en mettant en garde Angela Merkel contre un nouvel afflux de réfugiés syriens si rien n'est fait pour contenir l'influence croissante de Téhéran au Moyen-Orient. Les juges de la Cour pénale internationale ont autorisé l'ex-président ivoirien et son ancien ministre à demander l'acquittement suite à la clôture au dossier de l'accusation. Des audiences sont prévues le 10 septembre prochain. En substance, les trois magistrats laissaient entendre que la thèse de l'accusation n'était pas en phase avec le dossier présenté devant eux pendant 2 ans. Deux jeunes femmes et un homme ont fait exploser hier soir leur ceinture d'explosifs en différents endroits de la ville de Diffa, la capitale régionale du sud-est nigérien, proche du Nigeria. Au moins 9 personnes ont été tuées dans cet attentat. Les lieux des attentats sont bouclés par les forces de sécurité qui ratissent la ville afin de la sécuriser. Selon les réseaux sociaux, 3 explosions ont été entendues aux environs de 22 heures à Diffa Koura, un vieux quartier de la ville. Au Guatemala, le bilan du volcan de Fuego s'alourdit. 69 corps ont été retrouvés à ce jour. Une nouvelle explosion et un glissement de terrain se sont produits hier et ont provoqué de nouvelles évacuations. Le volcan est situé à 35 km au sud-ouest de la capitale Guatemala. Paris truqué dans le tennis, 13 personnes ont été arrêtées en Belgique dans un coup de filet soutenu par Europol visant une organisation criminelle belgo-arménienne. Spécialisée dans le trucage de matchs de tennis, a annoncé mardi le parquet fédéral belge dans un communiqué. Aucune précision n'a été donnée sur le résultat des interventions policières dans les autres pays, à savoir l'Allemagne, France, Bulgarie, Slovaquie, aux Pays-Bas et aux États-Unis. L'enquête soupçonne une corruption active de joueurs de tennis professionnels depuis 2014 à travers le monde. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi et restez sur A12 TV, la chaîne d'ici et d'ailleurs.